Quand Monseigneur Langevin est devenu le premier évêque du diocèse de Rimouski en 1867, il s'est bien rendu compte que c'était pas la grandeur du territoire sa première priorité, mais l'éducation de ses ouailles. Fait que pour la job, ça prenait quelqu'un de fait fort, intelligent, courageux puis résilient. Pourquoi donner la job à Saint-Gars quand on peut la donner à une femme? C'est pour ça que, malgré sa petite santé, il a fait appel à Marie-Élisabeth Turgeon pour fonder les petites écoles de campagne, comme ici en arrière, à Saint-Gabriel. Mais au début, c'est loin d'être facile. Le bâtiment est pas prêt pour l'hiver. Les murs tiennent de peur, puis le poêle à bois est pas rendu. On dit même qu'il y a de la glace qui se forme sur le plancher. Mais ça restera pas de même, bien évidemment. Entre 1820 puis 1967, il y a un important passage qui s'effectue. On va passer d'une société pré-industrielle à une société industrielle. La société pré-industrielle, c'est la Nouvelle-France. La subsistance, les gens vivent d'agriculture. Et puis la société industrielle, c'est quoi? C'est la bourgeoisie qui est au pouvoir, qui a des usines, qui a besoin de produire. Et puis pour produire, ça prend des personnes qui sont éduquées, ça prend du personnel de gestion. On a en même temps un État qui se développe et qui va avoir besoin de fonctionnaires et puis de personnes pour enseigner à ces gens-là. Donc, c'est les impératifs de la société industrielle qui vont faire en sorte qu'on va avoir un besoin de plus en plus important d'éduquer les populations dans les régions, partout au Canada. On ne s'étonnera pas donc de voir quand Jean Langevin va être évêque de Rimouski en 1867, l'année de la Confédération. On ne s'étonnera pas que les objectifs de Langevin principaux concernent l'éducation. Il a compris qu'avec une population éduquée, on peut produire, entrer dans le monde industriel et puis créer de la richesse. Dans le fond, atteindre, je dirais, les objectifs qu'on suit depuis la publication de La richesse des nations par Adam Smith. La notion de distance aujourd'hui n'est pas la même. Avant Jean Langevin, il n'y avait qu'un diocèse pour tout l'Est de Québec. On en a mis un à Rimouski, mais il s'occupait aussi de tout l'Est, donc de la Gaspésie aussi. Donc, c'est un important diocèse. C'est un endroit où on vit très pauvrement, d'agriculture, de pêcherie. Les gens sont généralement pauvres, peu éduqués, et puis les grandes distances, et puis l'éloignement du centre de la province, de Québec, font en sorte que ce territoire-là est difficile à gérer, est difficile à éduquer, est difficile à administrer. Alors, Jean Langevin veut mettre de l'ordre là-dedans, veut mettre une certaine forme d'organisation et veut instaurer un système scolaire qui serait fonctionnel. Bon, le premier problème, c'est celui du financement. Parce que des écoles demandent des bâtiments, demandent aussi du personnel. Quand on est à cette époque-là, bon, le clergé reçoit ses revenus de contributions que les gens donnent, la dîme. Donc, ils vont percevoir. Ils vont aussi faire des levées de fonds périodiques. Mais l'argent est très rare. Les gens ont peu d'argent. Ils vont souvent payer en nature, là, avec des animaux, des produits, du beurre, du lait, du bois chauffage. Donc, c'est pas avec ça qu'on peut payer du personnel. Donc, on ne s'étonnera pas que c'est le personnel religieux qui soit capable de mettre en place ce système d'éducation parce que ces congrégations-là sont capables de recevoir du financement puis sont capables de s'organiser et puis vont avoir un mode de vie qui font en sorte qu'on va être capable de se financer ou de survivre avec des dons en nature, ayant fait un vœu de pauvreté, tant que nos besoins de survie matérielle sont là, on est capable d'avancer. Donc, Langevin veut monter un système d'éducation. Lui, ce qu'il va faire pour la question des sœurs, là, c'est qu'en 1874, il va créer un groupe, les Sœurs des petites écoles. Alors, c'est comique parce que c'est pas une congrégation, mais ils appellent des sœurs quand même, mais il veut pas leur donner un statut de congrégation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une congrégation, ça vit du support des paroissiens. Et puis, les gens sont déjà assez taxés, étant donné la grosseur du diocèse et puis la pauvreté. Donc, Langevin refuse que ces sœurs-là soient
soit des vraies religieuses, là, en fait. Là. Mais ils mettent quand même le nom « sœur » dans leur constitution. Et ça va être une partie du combat, là, de l'installation de la congrégation, là, entre d'avoir une reconnaissance officielle comme congrégation. Elisabeth Turgeon vient de la région de Lévis. Elle va faire sa formation à l'École normale Laval de Québec. L'École normale Laval de Québec, Jean Langevin est là. Puis Jean Langevin la remarque parce que c'est une excellente étudiante. Jean Langevin, c'était quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui s'est démarqué. Il est rentré jeune dans le système scolaire. Il était efficace. Il s'est démarqué. Puis il l'a remarqué, elle aussi. Et puis Langevin voulait l'avoir à Rimouski quand il est devenu évêque. Le problème, c'est que Marie-Élisabeth Turgeon, bien, Élisabeth à l'époque, elle n'était pas encore sœur, Élisabeth Turgeon a une santé extrêmement fragile. Très malade, puis à cause de sa santé. Aussi, à un moment donné, bon, elle était très malade, elle a comme un peu promis au Seigneur d'œuvrer à un endroit gratuitement pendant un bout de temps, ça a été guéri. Elle a été guérie, fait qu'il y a plusieurs éléments qui ont retardé son arrivée à Rimouski. Mais elle est arrivée à Rimouski en 1875, puis là, elle est rentrée, elle a joint les sœurs des petites écoles de Langevin. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'Élisabeth Turgeon, on retient son nom parce que c'est elle, en fait, qui va mener le combat pour l'instauration d'une congrégation à partir des sœurs des petites écoles. Donc, ils ont mené un combat assez long. Puis finalement, c'est en 1879 que Langevin a cédé, été convaincu par d'autres personnes aussi, a commencé à voir le bien fondé de créer une congrégation. La congrégation n'a pas encore son nom officiel à cette époque-là. Ça va arriver un peu plus tard. Ils ont une mission, par contre. La mission, c'est de former des institutrices, tenir des écoles, éduquer à la piété, puis surtout les enfants des milieux pauvres. Les milieux pauvres, c'est les milieux qu'on a dans l'Est du Québec. Donc, leur vocation première, c'est vraiment d'œuvrer pour ceux qui en ont vraiment besoin. Et puis, c'est là que ça commence. À sa mort, sœur Élisabeth Turgeon fait le vœu que son œuvre continue. Faut croire qu'elle a été exaucée parce que, au plus fort de la congrégation, dans les années 50-60, c'est une véritable ville que les petites sœurs administrent. Sur les 600 orgues de terrain acquis au fil des années, on retrouve de tout. Le couvent, bien sûr, mais il y a une étable, un poulailler, un verger, il y a des ruches même. En masse de culture pour nourrir 1500 personnes. Puis c'est pas tout. Ça prend du monde pour entretenir toute cette terre-là. Puis le savoir-faire, comme de raison. Moi, je suis Jean-Guy Lavoie. J'ai commencé à travailler ici en 1957. J'ai passé ma vie, autrement dit, à travailler en communauté. Au début, quand j'arrivais ici, il y avait 600 orgues de terrain en culture. Il y avait 600 orgues de culture, ça veut dire que ça peut représenter sans aide d'État complète, on avait 1 000 de large en terre, et puis ça donnait à peu près 1 km à 2 km en hauteur. Ça donnait 600 orgues. Un orgue, c'est 200 par 200. À ce moment-là, il y en avait 600 de même. C'était une entreprise. Il y avait tout, il y avait les animaux, les troupeaux laitiers, il y avait des. Au niveau provincial, c'était reconnu, il y avait des visiteurs, il y avait des acheteurs d'animaux qui venaient pour des sujets de reproduction. C'était une entreprise, on appelait ça de même, de 4 saisons. Tu commençais le printemps avec les abeilles, les cerfs, les plantes. De jardin, même en hiver, il y avait une serre aussi qui était ouverte tout l'hiver pour cultiver des œillets pour la maison. Il y avait toutes sortes de choses. Il y avait toutes sortes. C'était complet. Tout était possible. Il y avait toutes sortes de choses. Hein. Autrement dit, au niveau de la production, c'était pas une culture, juste une culture. C'était général. J'ai vu en 1957 la montée
de l'agriculture ici à la ferme. Et puis après ça, j'ai vu aussi la diminution, là. Tu sais, le délaissement un peu là, des sortes de cultures à cause de la vente des terres. Puis à cause aussi de l'âge de la communauté. Je suis entrée en 1956. Ensuite, ça, quand j'ai fait profession, on m'a envoyée aux États-Unis. J'ai resté là 33 ans et je suis revenue parce qu'on avait besoin de quelqu'une pour travailler aux archives et je suis ici depuis. Depuis 1994, je suis responsable des archives de la congrégation. Nous sommes la seule communauté qui a si grandement de terres dans le bas du fleuve. Parce que ça, je ne connais pas d'autres communautés qui étaient comme ça. Puis nous avions toutes sortes de cultures, pas simplement les vaches, puis les chevaux, puis tout ça, mais on avait des poules, on avait des agneaux, on avait des porcs, on avait des dindes, des abeilles, on avait la serre, on cultivait des fleurs, et tout le monde, dans l'entour de Rimouski, venait chercher des beaux bouquets. Et puis, surtout aux alentours de Pâques, là, c'était vraiment des beaux lys. La chapelle en était remplie et ça sentait tellement bon. Mais aujourd'hui, il faut les acheter. On n'a plus rien de tout cela. Alors, même la serre est démolie, puis on a encore le petit rucher quand même. On s'est fait une petite maison de repos avec le rucher. Alors, mais tout a été vendu au fur et à mesure. Les communautés religieuses se prennent en charge d'elles-mêmes. Donc, à partir de 1897, là, on veut implanter une ferme autour de la congrégation. Puis, bon, on n'a pas d'argent pour recevoir des animaux, mais on reçoit encore des dons à cette époque-là. Jusque 1900-1910, les gens payaient encore, même dans les années 20-30, les gens payaient encore par don en nature. Donc, on commence à recevoir des bovins, des ovins, par don qu'on va recevoir. Alors, certaines fois, ça va être les religieuses qui, en rentrant dans les ordres, vont amener une dot avec elles, parce qu'ils se marient. Hein. Ils vont amener une dot, ça peut être du matériel agricole, ça peut être du bétail. En 1920, on va construire une grange. C'est important parce que il y a beaucoup d'étables, de granges à Rimouski en 1920. Puis le territoire où est situé ce bâtiment-là aujourd'hui, c'est un petit peu au nord de la deuxième rue. Le bâtiment qui est en train d'être, non pas démoli aujourd'hui, mais désassemblé pièce par pièce pour que les morceaux soient revendus à l'extérieur pour générer du profit un peu. Donc, cette grange-là est construite en 1920, puis ça dure jusqu'à 1949 parce qu'on va construire des poulaillers et d'autres bâtiments. On va avoir des bovins, du porc, de la volaille. On va avoir un jardin, on va avoir des champs en culture, un verger, une serre, des ruches. C'est l'autosuffisance totale du point de vue alimentaire. Puis cet état de situation-là va perdurer jusque dans les années 80. Puis là, à partir des années 80, là, on va voir, par exemple, le troupeau va être vendu aux enchères en 1989. Après ça, en 91, on va vendre le poulailler. Là, c'est un poulailler avec au-dessus de 1500 volailles. Donc, c'était pas un petit poulailler comme on peut avoir à la maison. C'était du calibre d'une entreprise. Là. Donc, on était capable de nourrir tout le monde avec ça. Et puis, les terres vont être vendues à la ville en 1991. La communauté a été l'instrument pour instruire et former les jeunes, surtout. Parce qu'au début, c'est pour ça que Mgr Jean Langevin a demandé Mère Élisabeth de venir à Rimouski, parce qu'elle était enseignante. Elle avait son degré de l'Université Laval. Et puis, quand elle est arrivée, elle voulait former des jeunes filles pour l'instruction et l'éducation des enfants dans des paroisses très pauvres. On a commencé avec rien, et puis tout d'un coup, ça a
petit à petit, ça a augmenté. On a eu une ferme, on a une terre, on a eu une ferme, on a eu une maison, on a eu une... Tout est monté, puis même plus ça allait, plus qu'il y avait de religieuses, de jeunes filles qui entraient. Et puis ensuite ça, dans les années 70 à peu près, ça a commencé à rediminuer. Les effectifs, il y avait moins de novices puis de postulantes qui entraient, de jeunes filles qui voulaient devenir religieuses. Et puis, tout le reste s'est allé en diminuant aussi, parce que ça a monté, ça a tenu un certain moment donné, disons une dizaine, 10, 15 ans. Ensuite, ça a commencé à rebaisser. Puis là, ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue. On perd tout. On n'a plus le personnel qu'on avait. Puis le personnel qu'on a, bien, il est vieillissant. Alors, nous autres aussi, nous vieillissons. Puis tous nos employés ont vieilli, eux autres aussi. Ils sont partis chacun leur tour. Maintenant, on en a des nouveaux employés, des plus jeunes, mais ils sont plutôt à l'infirmerie, puis au ménage et à la cuisine. Et puis on ne pouvait plus garder une pareille ferme jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à la dernière sœur. Alors, il a fallu s'en départir de petit à petit. Parce que c'est de très grosses décisions pour le conseil général aussi. Ce n'est pas facile pour elles. Pas facile pour nous, mais c'est pas facile pour celles qui sont en autorité non plus. Parce qu'il faut bien réaliser qu'on n'est plus capable. Petit à petit, les terres ont été vendues pour le développement urbain, qu'ils disent. Puis aujourd'hui, ben, on s'attelle à défaire la grange. Le dernier témoin du domaine agricole des petites sœurs. N'empêche, on a un devoir de souvenance. Puis heureusement, il y a des rues puis des bâtisses qui portent le nom de ce monde-là. Puis si on cherche comme il faut en dedans de nous autres, là, on va peut-être trouver un peu de résilience puis de courage de Marie-Élisabeth Turgeon puis des sœurs des petites écoles. Ce sont les communautés religieuses qui s'occupent au 19e siècle de l'éducation. Mais il y a un paradoxe dans ce système-là, c'est que d'une part, on veut éduquer les gens, leur faire découvrir le monde, leur faire comprendre la science, la technologie, la gestion. Mais d'un autre côté, on doit les garder à l'intérieur de la foi. Or, le paradoxe, c'est que plus les gens sont éduqués, plus ils vont s'éloigner de la foi. Donc, on a donc un système d'éducation qui veut, d'une part, éduquer les gens, mais en même temps, les préserver de ce qui pourrait leur faire quitter la religion. C'est là qu'on va voir apparaître des index pour les ouvrages, hein, des ouvrages qui vont être interdits. On va interdire certains comportements. On va sélectionner les contenus d'éducation pour maintenir l'équilibre entre garder les gens dans un état de piété, mais les éduquer assez pour qu'ils soient fonctionnels à la société industrielle. Puis c'est là qu'est le paradoxe, parce que dans le fond, c'est un système autodestructeur où les communautés religieuses entrent dans le système d'éducation. La population est de plus en plus éduquée. Étant de plus en plus éduquée, va aller chercher des explications plus concrètes aux phénomènes qu'elle vit. Et va de moins en moins se référer à la religion pour expliquer autant les phénomènes naturels que les phénomènes sociaux. Donc, c'est un paradoxe à cette époque-là. Les communautés se donnent corps et âme dans l'éducation, mais en se donnant dans l'éducation, elles éloignent lentement les fidèles de leur giron.